annonce russe importante à la mi-journée, importante euh, pour les faits, importante parce qu'elle recouvre et par l'intention qu'elle révèle. Euh, la guerre, quelle guerre En pleine contre-offensive. Moscou annonce donc la tenue d'élections dans les quatre régions annexées par la Russie en Ukraine. Dans les quatre régions, des élections générales. Le 10 septembre. Le 10 septembre, c'est dans moins de trois mois. Donc euh, c'est demain. Euh, comme s'il s'agissait d'acter au plus vite euh, que ces régions sont russes et qu'elles sont concernées par les élections russes au même titre que l'ensemble de la fédération. Alors on va voir euh, l'intention bien sûr qu'il y a derrière, on va voir si c'est réalisable, mais juste avant le détail, euh, quelle est cette annonce précisément Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. D'abord qui annonce cette décision C'est cette femme qui l'affirme, Ella Pamfilova, 69 ans. Elle est chargée de l'organisation des scrutins en Russie, députée, ancienne ministre, en 2000, elle a même été candidate à l'élection présidentielle russe avant de devenir une fidèle de Vladimir Poutine. Quelle est cette annonce Eh bien, elle affirme que pour la première fois, nos nouvelles régions organisent des élections c'est le feu vert de notre droit et de notre devoir. Nous assumons une énorme responsabilité. Et elle ajoute la date du vote a été fixée au 10 septembre. Le 10 septembre, donc dans moins de trois mois, c'est presque demain. Quels sont les territoires concernés Il s'agit de quatre régions annexées en septembre dernier Louhansk et Donetsk à l'est, Zaporizhia et Kherson au sud. Des élections pour quoi faire eh bien, ce sont les membres des conseils municipaux et les membres des assemblées générales et régionales qui vont être désignés, et également des gouverneurs. C'est la première fois, Lucille, qu'il y aura un scrutin des élections dans ces régions occupées Non, souvenez-vous, juste avant l'annonce officielle de l'annexion en grande pompe devant la Place Rouge, les autorités russes avaient organisé un pseudo-référendum. On se souvient de ces images de vote où les organisateurs allaient jusqu'à chercher les habitants chez eux pour arracher leur vote. Le oui l'avait bien entendu très largement emporté dans ces quatre territoires. Oui, on se souvient aussi que dans certains bureaux de vote, il bah, y avait des soldats en armes. Dans les escaliers des maisons, je me souviens des images que vous aviez montrées ici même, à ce moment-là. Oui, dans les escaliers des maisons également. Et c'est la question qui vient à l'esprit, d'une certaine manière Lucille, ces territoires sont-ils assez stabilisés d'abord tout simplement euh, pour que la tenue d'élections soit envisagée, hormis même l'intention politique sur laquelle on reviendra dans un instant. Eh bien, c'est en tout cas ce qu'affirme le Kremlin. La décision a été prise auprès des consultations avec le ministère de la Défense et les services de sécurité du pays. Sous-entendu, tout est sous contrôle. De toute évidence, ça ne l'est pas. Rappelons d'abord que ces quatre régions ne sont pas entièrement aux mains des Russes. Moscou contrôle Louhansk, mais seulement 55% de Donetsk et un peu moins des trois quarts de Zaporizhia et de Kherson. Surtout, ces régions sont marquées régulièrement par des coups d'éclat. Récemment, encore, on a observé une locomotive utilisée pour le transport de carburant en feu à Melitopol, dans la région de Zaporizhia. Dans la même zone, on a aussi vu les images d'un pont ferroviaire incendié, recouvert d'une épaisse fumée noire. C'est notamment par ce chemin que la Russie approvisionne ses forces dans le sud depuis la Crimée. Ou encore, ces t-shirts symboliquement brûlés, accompagnés de messages La Russie, vous n'êtes pas les bienvenus. Enfin, et c'est sans doute le principal, ces quatre régions ont toutes pour frontière, entre guillemets, la ligne de front. Rien de moins, en particulier celle de Tsaporidja et de Donetsk, là où la guerre est la plus active. C'est comme si, pour les Russes, la guerre n'existait pas et qu'il fallait se dépêcher d'acter le fait accompli. Merci Lucille. Euh, Christine O'Crane, qu'est-ce qui se joue avec euh, cette euh, volonté affirmée de tenir ces élections dans moins de trois mois mais le prince Potemkin avait euh, inventé les villages du même nom. Et, et donc, en fait, on assiste toujours, me semble-t-il, à cette mise en scène, à cette mascarade euh, qui était flagrante. Vous vous souvenez, quand Vladimir Poutine, il y a plusieurs mois déjà, avait, pour fêter l'annexion de ces régions, leur intégration, euh, si ma mémoire est bonne, euh, euh, dans mmh. la République russe, euh, ben, tout ça, c'est du pipeau. Et il me semble même qu'il y avait eu quelques entretiens, peut-être un peu éméchés, de responsables locaux, qui sont en fait des miliciens montés en grade dans, dans le Donbass, euh, au fil des, des combats depuis 2014, et qui eux-mêmes avaient l'air de ne pas y croire, ou qui disaient Mais, mais ben, ben non, etc. Mais enfin. Pour faire court, euh, avec le, le, le très peu d'informations que l'on ait, il semble que ce soit toujours cette façon d'affirmer auprès de l'opinion russe, d'abord, que tout se passe comme prévu et que, bien évidemment, dans, dans le respect de la loi, ce, qui est, ce que apparemment cette dame met en avant, eh bien, les citoyens seront consultés comme il se doit. La russification est en marche, c'est comme ça que vous le voyez aussi, Jean Oui, absolument. Je, je partage totalement l'analyse, évidemment, de, de Christine Ockrent. Euh, c'est assez habituel dans ces régimes euh, dictatoriaux, et notamment, euh, en se du temps de l'URSS, où même quand Staline euh, se, se livrait à des épurations extrêmement brutales, il tenait des procès. C'est-à-dire que dans ces pays où le droit n'existe pas, pas, où l'état de droit n'existe pas, on fait comme s'il y avait un état de droit, comme s'il y avait une démocratie fonctionnelle. On fait semblant. C'est pour ça que j'adore cette, cette image du, du, du village Potemkin, mais on peut... Moi, je citerai plutôt, je plutôt euh, Tintin au pays des soviets, euh, qui montrait effectivement Tintin qui découvrait que les usines n'existaient pas. Vous savez, c'est mm. simplement des décors de carton-pâte qui cachaient la misère, et un album qu'on avait estimé comme étant anticommuniste primaire et qui s'est avéré d'une d'une véracité extrême. Nous, on n'est pas dupes. Nous, on ne sera pas dupes ah oui, mais mais eux, euh... que les conditions ne sont pas réunies pour ces élections. C'est des territoires en guerre, qu'il y a des coups d'éclat, des partisans chaque semaine au moins. Mais au fond, est-ce que ça ne va pas donner ce vernis de légalité que Moscou recherche, Annie Ça donnera un vernis de légalité pour la population russe qui malheureusement en est abreuvée à longueur de temps. Donc, je pense que pour une large partie de la population moyenne, disons qui n'a pas accès à une information alternative, ça peut nourrir euh, la propagande. Hmm. Mais euh, pour je dirais même maintenant, on voit ce qui se passe dans les pourtours de la Russie, on voit ce qui mmh. se passe du côté de Belgorod, du côté de Briansk. Je veux dire, dans une population où il y a une, euh, un danger de proximité, mmh. euh, là, on peut déjà imaginer qu'ils regarderont cela avec un certain scepticisme. Oui, euh, on peut imaginer aussi la couverture à la télévision russe, à la télévision publique russe. Regardez, la démocratie est en marche, la Russie respecte les canons de la démocratie mmh. ces territoires votent comme l'ensemble du territoire russe parce qu'il y aura des élections en russie aussi dans la fédération russe à ce moment-là oui mais on peut imaginer aussi qu'elle n'ait pas lieu oui. et à la limite c'est ce qu'il faut souhaiter oui. c'est-à-dire que l'offensive qu'on appelle contre-offensive, disons, la contre-offensive, euh, continue mmh. de, de grignoter mmh. euh, des kilomètres mmh. carrés dans ces régions. Et que donc à partir de ce moment-là, l'organisation matérielle, fût-ce avec des, des miliciens armés, euh, bah, ça ne marche pas. Général Trinquant. Euh, en anticipant un peu, on se trouve au mois de septembre, donc on, un an après, on fait exactement le même scénario. Il y a un an, au mois de septembre, déclaration d'annexion de ces oblasts mmh. alors que l'offensive était en cours mmh. et que une partie de ces oblasts retournait dans les mains des Ukrainiens. C'est ça l'offensive eh à l'époque, à Kherson et à Kharkiv. Exactement, c'est la même époque. Hein. Mmh. Et donc là, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'on annonce des choses dont effectivement on n'est pas sûr du tout, qu'est-ce qui restera comme territoire occupé par la Russie, peu importe, le mirage sera là. Il y aura des élections organisées, dont on connaît le résultat par avance, et sur des territoires qui sont... Euh Annoncés comme étant les oblats, mais en fait, ben, ça sera les territoires qui resteront, oui. s'il reste des, des territoires. Vous voyez, donc c est, c est, on est exactement dans le même mouvement que ce qui s'est passé il y a un an. Et je crois que je suis assez d'accord. Dans un État où il n'y a pas d'État de droit, les élections, tout le monde s'en fout un peu, mais c'est pas grave. On fait comme si, on présente les choses, et pour le peuple russe, le bon peuple russe, regardez, oui. bien sûr que ces territoires qui ont été annexés sont russes, donc ils obéissent aux mêmes règles que le reste. De la Russie, et puis personne ne regardera de près euh, sur la carte à quoi ça correspond. Mmh. Oui, Annie, vous vouliez intervenir Oui, non. Il y a, il y a le, euh, enfin, pour revenir alors cette fois non pas en avant mais en arrière, euh, on avait un peu un processus semblable en 2014, c'est-à-dire la création totale mmh. des républiques de Donetsk et Lugansk euh, et la Crimée annexée. Il y a au moment et... où les troupes russes ont soutenu les séparatistes pro-russes dans ces territoires du Donbass. Il y a eu des élections aussi, c'est ce que vous voulez voilà, dire. Et ils ont fabriqué deux entités territoriales appelées républiques qui n'avaient strictement rien, aucun attribut mmh. de ce qu'on pouvait attendre d'une république et qui ont été fabriquées de toutes pièces et que maintenant la Russie essaye de libérer. Et donc là, on est dans un jeu de miroir où euh, on, on, on s'en sort euh, très oui. difficilement sur le plan du raisonnement. Et il y a une grosse part d'autosuggestion, d'une certaine manière. Oui, Jean. Oui, absolument. Et, mais je crois aussi qu'il faudrait, euh, il faut regarder, vous insistez beaucoup sur l'opinion publique russe, mais c'est aussi peut-être le signal que ça envoie euh, aux alliés, euh, à l'Ukraine, aux alliés. C'est en clair que la, la Russie nous dit... Euh, je je ne céderai rien. On se battra jusqu'au bout. On ne rendra pas ces territoires. Donc, ça annonce quelque part le signal que ça donne c'est que ça va être une guerre très longue, une guerre très sale. Et si on retourne derrière notre, nos frontières, on reviendra. Mm. Donc, là, c'est un combat à mort. Parce que, à mon avis, c'est le, le sens politique ça. Euh, du système. On ne croit on... pas un instant que cette contre-offensive puisse déboucher sur un contrôle ukrainien de ces territoires, sur une reprise de ces territoire de ses propres territoires par l'Ukraine et deuxièmement, ils sont russes, nous les maintiendrons voilà. russes et on reviendra le pour les et reviendra si jamais on les perd. C'est ça que ça indique, c'est-à-dire que le conflit ne s'arrêtera et ça ça fait quand même plus d'un an et demi qu'on le dit sur ce plateau, ça ne s'arrêtera que contrairement à ce que croyaient les autorités françaises et l'ont cru pendant pendant plus de 15 mois quand même, ce qui est incroyable, qu'après une défaite en race campagne de l'armée russe. Et c'est ce que disait le Pentagone au début. Je sais pas si vous vous rappelez, en février-mars, le Pentagone, enfin, en mars, quand, quand il s'avérait que l'armée russe n'était pas aussi puissante qu'on l'imaginait, le Pentagone a fait fuiter des analyses disant, bah, c'est l'occasion de casser définitivement les reins de l'armée russe. Et alors, les Français, Évidemment, comme d'habitude, les autorités françaises ont poussé des cris d'orfraie de en disant :« Mais non, mais non, pas question N'humilions pas nos amis russes. » Et ben, au fond, le signal qu'ils nous envoient, c'est si vous nous cassez pas les reins, on ne lâchera jamais les quatre républiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et, et, et d'un mot, quand même, il euh, y a eu une russification accélérée de ces territoires, sûr, et notamment il y a eu la distribution de passeports russes. Mmh. Je crois mmh. On crois qu'on parle de plus d'un million de passeports euh, sur l'ensemble, hein, je crois, de ces quatre régions. Mmh. Donc, c'est la continuation de ce mouvement-là et l'exfiltration des enfants. Oui, terrible. Mmh. Ouais. Enfin, la russification de force des enfants, qui est quand même... Un, crime contre, un, un crime contre l'humanité. Ouais. Hein. La guerre se joue là aussi. Oui, euh, souvenir, Technique. souvenir, euh, vous parliez des, des créations de ces États, euh, Yougoslavie 93-94, Serbska, Krajina. C'était des États qui avaient été créés à l'intérieur, en fait, de la Croatie. – Kraïna, si je ne m'abuse, c'est les... un endroit de la Croatie où il y a une minorité serbe très importante. – Donc il y avait la un État qui avait été, et quand on rencontrait, c'était euh, Monsieur le Président de la Republika Srpska-Kraïna. Ouais, euh, ouais. bon, en un mois, tout ça a disparu. Hein. En un mois, tout ça a disparu. Les offensives de 1995, ouais. toutes ces régions, avec des mouvements de population, évidemment, toutes ces régions ont... sont retournées dans le Giron-Korat Maintenant, il y a toujours des problèmes en Bosnie, mais pour s'en tenir simplement à la Croatie, ça a disparu en un mois. Mmh. Mais au sein de la Bosnie-Herzégovine, il y a toujours une ambiguïté. Toujours, c'est euh... ce que je disais, ouais, bien sûr. Euh... Mais ça c'est c'est les ce sont les accords de Dayton avec les trois entités euh, mmh. croates, bon. musulmanes, et croates. On en revient à la...